Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'aventure avec le RC Lens. On est invaincu, on est même solidement leader avec 7 journées, 7 victoires, 24 buts marqués, 3 buts encaissés. Là, on va affronter le FC Metz, US Orléans et ensuite Paris FC. Match face au FC Metz. Seulement 3 jours après le dernier, je crois qu'on avait joué le 23, voilà, on joue le 26, on va enchaîner avec un match après le 30, donc ça bourrine hein. Au niveau des matchs. Là, le physique prend vraiment cher, il va falloir eh bien, se méfier de ce FC Metz qui va vraiment être un gros test, je pense. On a le retour de Joshua, mais on va pas le mettre, et il reste encore 4 jours, ils m'ont dit qu'il était apte pour jouer, mais moi je vais prendre aucun risque. On a toujours Umut blessé pour 4 à 5 semaines, et Angel Gomez pour 11 jours à 3 semaines. Choi est suspendu, malheureusement, lui qui fait des bons résultats. Donc on va mettre Mathias Juarez. J'espère en tout cas que vous allez bien. Les gars, moi ça y est, une petite coupe propre, toute fraîche. Là, je suis chaud. Alors je me dis, est-ce que la coupe de cheveux va pas tout changer au niveau des résultats? On verra. Hein. Faut essayer de pas trop être superstitieux. Je vais aller voir Thorne un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été les voir. Comment que ça se passe? Ils sont éliminés par l'Olympiakos à la 90e minute. Ah, c'est dur. Ah, le but à la 90e qui les élimine. Donc, du coup, aïe. Par contre, ça va beaucoup mieux en première ligue. Là, les 2-0 face à Malmö. 2-0. Bon, là, une petite défaite 2-0. Mais ils passent le tour de Coupe de Suède. Ah, c'est pas mal. Hein. Ça va mieux en tout cas. Ils sont 9e de première ligue suédoise. 35 points, ils se rapprochent. C'est déjà mieux. Ça va un petit peu mieux pour Thorne. Nous, on va se concentrer sur nous. J'espère en tout cas que ça va bien se passer. On peut déjà prendre le large. Hein. Avec des bons résultats là, on peut déjà prendre le large. Attention quand même toutefois. Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Une défaite et pam, directement la première place sera relancée. Oh, que je suis chaud. Chers adjoints. Je suis ultra chaud. Comme toujours, hein, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Sinon, bien sûr, le petit commentaire, le petit pouce bleu pour faire plaisir. Et c'est parti. FC Metz face au RC Lens. FC Metz, ils ont qui là? Qui c'est qui a de connu un petit peu? Bangoura, c'est lequel? Meilleur passeur, d'accord. Deschamps, est-ce que c'est le fils à Dédé? Parce que là, ça pourrait tout changer. Nordine, Léa Siliki, Montero, Jamie Montero, il jouait où lui? Il jouait déjà. C'est dur à dire ça. Il jouait déjà au FC Metz. D'un ton assuré, on va dire on n'a pas oublié ce qui s'est passé, les gars. Ok? On va tout donner. Bon, hier, je vous posais une question. Est-ce qu'on a vraiment fini FM? C'est la véritable question que je me pose. Hein. Et je me dis peut-être qu'on a terminé FM. Après, si on perd ce match-là, je te dirais pas du tout. Non mais ça se passe bien, on va pas se mentir, ça se passe bien, la tactique marche bien, etc. Je suis chaud, je sais pas si vous savez, mais il va bientôt y avoir un championnat, hein, une compétition FM, j'en sais pas encore plus, hein, plus que vous, voilà, j'espère montrer un peu le niveau quoi. Qu'on chope avec les adjoints, bien sûr, si je serai avec vous hein, sur Twitter, etc. On se donnera des conseils pour exploser tout le monde et terminer champion du monde. Voilà, Malcolm. Quoi, y a pas faute là? Commence pas, monsieur l'arbitre, ok? Tu vas me laisser le mousquetaire tranquille. Quoi? Ça commence comme ça? Le tacle, il était tout gentil. Qu'est-ce qui me met un carton rouge là-dessus, lui? Oh là là, ouais, d'accord. Ah bon, on a vu qu'il y en avait qui pouvaient soudoyer les arbitres, là. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Ah ouais, 4e minute, ça. Ah ouais, la coupe de cheveux, elle porte pas bonheur du tout. Attends, mais moi, je veux revoir le... Vas-y, mais remontre-moi, je te promets. Là, voilà, laisse-moi revoir ce carton. Mais y a rien sur le... On va revoir. Attention. Y'a quoi là? Qui tu qu'à quel moment? Vas-y. Ok, on va rien dire, c'est pas grave. Est-ce qu'on reste en positif? Ouais, on va rester en positif, de toute façon ça va être trop dur. Bon, ouais, mais là ça va à 10 contre 11, ça sera pas pareil. Hein. En réel, Nordine. Vas-y là, mets-moi au bon temps fort là. Je peux même pas mettre en positif, en rien du tout. Attention! La barre au-dessus. Ok, ils m'ont chauffé là. Oh, ils m'ont chauffé, ça va chier là.
Ah ouais, non, 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 là il y a de l'arnaque là. On se met en équilibré, en prudent. Prudent. Ouais, équilibré plutôt. Non, prudent, on va prendre trop la sauce. On va rester en positif. Sur un malentendu, ça peut passer. Non, mais là on se fait voler là. Attends, c'est quoi cette histoire? Le taclé est total. J'ai cru qu'il allait mettre un autre carton rouge là. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Ah, mais il y a eu une nouvelle mise à jour, on m'a pas prévenu. Il s'est passé quoi là? Moi je rallume FM. En ce moment j'ai envie de jouer. J'avais pris une pause là, j'avais pas joué parce que je me suis dit sinon je vais casser le jeu, je vais enchaîner les matchs. Là, qu'est-ce qu'il fait lui là? Et là, là, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul. Ah ouais. Ah ouais aussi, mais voilà, c'est du sabotage à ce niveau-là. Colin Dagba pour Martin Juarez. Le centre, la tête de Robben sera dégagée. Devant. Voilà, Sanko, c'est bien ça. Belanas qui écarte sur le côté. Castro de la tête. Dégagé. C'est bien Dubois, attentif. Viril mais correct. Ça qu'on veut voir. Bangoura, vas-y, va, va au pressing. C'est bien. Sanko. Attention, attention dans ton dos. Attention dans ton dos! C'est bien repoussé. Ouais, c'est pas mal. On va souffrir. On va souffrir, les gars. Vas-y, mais ce penalty. Enfin, pas penalty, mais ce rouge imaginaire aussi. Ça a toujours commencé comme ça, une sodomie. De toute façon, on commence par un petit doigt d'abord, hein, je vous le dis. Et là, là, ça se titille, là. Là, je le sens déjà que c'est en train de me titiller, tu vois. Il va pas falloir. Attention. Hein. Attention parce que je dégoupille. À tout moment là. Vas-y, putain, carton rouge là. Belanas, le corner. Dégagé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous faites aussi, les gars? Là, on a l'impression qu'on est totalement perdu. Voilà, chatasse. Oh la moule. Il suffit que t'aies un joueur qui s'appelle Deschamps et c'est bon, en fait. Ah ouais, c'est bon. Ça passe à côté. Par contre, la souffrance ultime là. On n'a pas une occasion. Rien du tout. Nada. Ça pouvait pas tomber face à Pierre-Paul Ejogues, ça. Ça tombe face au deuxième. Après, on aurait toujours 3 points d'avance, mais moi, c'était pas ça. Voilà, vas-y! Vas-y, Roro! Pique-toi, pique-toi! En vrai, Velanas. Ouh, c'est juste à côté. Ouh, c'était juste à côté. C'est pas mal. Il y a moyen. À tout moment, il y a moyen. Il y a moyen. On s'applique. On s'applique, Juarez. C'est pas mal. Propos! Ouh, c'était juste au-dessus. C'est bien, c'est bien. Oh, le carton rouge aussi, Malcolm. Pff. Non mais il a rien fait en plus, c'est ça le pire, je peux pas y en vouloir. Allez, faut obtenir un bon résultat. Faut essayer d'aller chercher le nul. Le nul, ce serait l'exploit. Ah ouais, mais là. Ouais, Castro, ouais. Ouais, Castro. Vas-y, gros pot. Vas-y, cours, 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 cours. Tombe! Et là, il n'y a pas carton rouge, là, bien sûr! Au centre. La tête de Velanas au-dessus! Ah, on l'a eu l'occasion, là. On les a eu, hein, les occasions. Montrez que vous avez du caractère, Velanas, le corner! Ah! Au-dessus, putain! Sept tirs par un cadré. Allez, 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 les corners, on les a bossés, là, on est fort! Ouais, Velanas, deuxième chance. Deuxième chance! De Dubois! Alors, il n'y a plus de bruit dans le stade là. Hein, eh ouais, tu retires ton doigt de suite là. Ok. Jamais je me mettrai à genoux. Jamais. Écoutez-moi bien. Attends, attention, attention. Attention quand même. Reste. Oui, mais oui! C'est bien ça! Allez, on relance, relance, côté, vas-y, relance, relance vers Dagba, roll. Heureusement qu'il n'y a plus la règle des 6 secondes, que ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus, ça. Avec Velanas, Velanas qui écarte vers Castro, 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 magnifique. Hein. Castro qui peut. C'est le Messi, hein. C'est Messi. Hein. Là, vous avez Messi devant vos yeux, Zébaïma. Oh non! Ce que tu rates, Robben! Oh, c'était notre moment, là. Ah, oh, c'était notre moment! Oh non!
On s'en coule l'assassin. Oh oui, quel retour. C'est pas mal hein, ce qui se passe. Hein. C'est très tendu. Hein. Tu sens que ça va craquer d'un moment à l'autre, d'un côté ou de l'autre. Vaut mieux que ce soit d'une autre. Pas du tout. Hein. Pas du tout d'une autre. Oh oui, Dubois. Match qui va durer 30 minutes en fait. Dubois, le long ballon pour gros pot. La vitesse. La vitesse. La vitesse. C'était nul. Nul à chier. Mais alors nul à chier. On est en moment clé là ou quoi là? Ouais, on est en moment clé. On va se prendre un but. Ok, d'accord. Prika. C'est bien arrêté. Oh, oh Colin là. Oh. Oh la souffrance. J'avais dit qu'on faisait 3 matchs aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on va les placer là. Il y a déjà 10 minutes de match. Après c'est la folie hein. 55ème minute. On peut en demander plus. Portez-vous à l'attaque. J'ai mis portez-vous à l'attaque. Quel con je suis. Attention. Attention. Oui mon petit. C'est bien. Garde le ballon pendant 15 minutes. Tu peux le faire. Voilà. C'est bien ça. Alors lui c'est un vendangeur de l'extrême. Hein. Alors autant des fois il fait des miracles. Mais autant des fois il me... Hein, avec Castro Messi. Castro Messi. Castro Messi. Oh, putain, faut s'appliquer là-dessus. Faut s'appliquer. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'aurais pu la récupérer là. Montero, Montero, Montero. Borges. Oh non, il s'est fait passer comme un bleu. Vas-y, Dubois, t'abuses. T'as un collabo là. Sur cette histoire-là, je voudrais pas être dans ta famille en 45, là. Enfin, en 39. Ah ouais. Ah, le collabo. Ah ouais, lui, il a vendu sa mère, sa soeur et tout, juste... Ah ouais, putain. Ah, c'est celui qui te faisait croire qu'il était avec toi et derrière, il te plantait un espèce de couteau dans le dos, lui. Ah ouais. On va sortir Velanas qui a déjà un jaune et qui est fatigué. Je crois que ce match est puant, les gars. Je crois que ce match est maudit. Avant que ce soit cette coupe de cheveux, je sais pas. Il y a toujours ce sapin aussi de Noël là, qui est toujours là. Avec Juarez. Gros pot, oh, franchement en finition. Qu'est-ce que c'est petit. Mais alors qu'est-ce que c'est petit. Après on a un Famara. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas un petit Famara là? Est-ce qu'on mettrait pas un petit Famara des familles? On va attendre. On va attendre, mais on va mettre un Famara. Ouais, on va mettre un Famara. On va mettre un Famara. Roba, il a un carton jaune. On va le sortir et on va mettre un Famara. Voilà. Allez. Allez, Famara. Tu nous en as sorti d'autres. Hein. Ah, tu nous en as sorti des beaux. Hein. Voilà, ça c'est bien. Roba qui va sortir. Gros pot. Gros pot. Et il s'applaudit. En plus, il est content de ses conneries, lui. Alors, lui, il se régale. Hein. Ah, ouais, lui, il est... c'est le feu. Hein. Ah, il se régale à Lens. Hein. Oh, c'est contré, c'est pas mal. Messi, Messi, Messi qui pousse. Messi. Va mon petit, va. Rouge. Ok, on va tout donner. On va se mettre en offensif. On va montrer qu'on a du caractère. Dagba. Juarez. Qui se rappelle du jeu Call of Juarez. Vas-y aussi là. Ah ouais, Bajic, il va nous crucifier. Ah c'est dur. Ah que c'est dur. Ah que c'est dur. 85ème. On peut y croire. Il peut y avoir un but là sur un malentendu. Ah oh, ça continue. Hein. Il continue de pousser. Qu'est-ce qu'il fait là, Colin? À quel moment en fait il s'est dit je vais me mettre là. Non, aujourd'hui j'ai pas envie de défendre. Non, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui j'en ai rien à foutre. Ouais, il y avait hors-jeu là, non? Il n'y avait pas hors-jeu, il y avait corner. Il n'y a pas d'ambiance à Metz en tout cas. Rien dans le stade, c'est vide. Attention Deschamps. Au-dessus. Allez les gars, allez, une dernière action, peut-être quelque chose. Ah, il n'y aura rien du tout. Ah, il n'y a rien eu du tout quoi. Oh, le carton rouge à la 5ème. Je te promets que là, en conférence de presse, il y est moyen. Moi, je suis satisfait si on met le côté le résultat. Parce que là, on s'est fait voler.
Mais là, attendez, Malcolm Musquet, alors je fais non seulement je vais faire appel de la suspension, hein, voilà déjà, mais en conférence de presse, l'arbitre, il va être coiffé. Hein. Pensez-vous que c'était un tournant son de match? Alors oui, hein, oui, bien sûr. Votre équipe s'est inclinée sur un but de Prica. Qu'est-ce que ça fait? J'en ai rien à foutre. Hein. Vos joueurs trouvent facilement le chemin. Oui, d'accord. Avez-vous une explication? Manque de gros pot. Gros pot, il s'en fout. Il s'en, tu vois, je vais te le dire, il s'en balèque. Voilà, tu connais l'expression, il s'en balèque, c'est ça. Voilà, et je pars en claquant la porte parce que j'en ai marre. Ok? C'est question de merde là. Pose-moi la question sur le rouge. Ok? Le rouge, on s'est fait voler. Voilà ce qui s'est passé. Sanko, je perds mon sang-froid, attends. Oh. Putain, il y a des joueurs suspendus là. Ah ouais, mais j'ai personne là. J'ai Gasparo. Gasparo est suspendu. On peut mettre le Grinch. Chuchuang, on va mettre Choi là, on va le mettre là. Mathias, on va le mettre pas là. Luka Angelion. Non, on va mettre Goldaniga, tu vois. Goldaniga. Ça me fait penser à un nom un peu un nom de méchant de James Bond, Goldaniga, tu vois. Genre en mode le gars, il a les dents en or, etc. Tu vois, il le déflingue, etc. Moi, c'est ça. Moi, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va prendre un rouge direct, lui aussi. Alors, bon. Cette défaite met fin à tous mes espoirs de faire un 38-0 déjà de base. Met fin à tous mes espoirs d'être invaincu pendant une saison. Et en plus, met fin à mes espoirs de vie tout simplement. Là, j'ai qu'une envie, c'est de casser quelque chose. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Je n'ai rien à côté de moi pour. Je n'ai rien à côté de moi pour gratter, pour touiller. J'ai un Bouddha. Après, j'ai un Bouddha. Voilà, j'ai un Bouddha comme ça. Là, tout ce que je peux faire actuellement, tu vois, avec ce Bouddha, c'est m'asseoir dessus. Voilà, c'est le prendre et m'asseoir dessus, et me dire voilà, très très bien. Alors, Mousquetaire accepte son amende. Mais on s'en fout en fait que tu mérites une expulsion. C'est pas ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il prend la suspension ou pas, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu du vol hein, sur cette suspension. Priorité donnée à la préparation. D'accord. Alors là, tu vois, la conférence de presse. Je vais y aller. Je crois que l'on peut dire que le RC Lens. Mais attends, il se fout de. Tu te fous de ma gueule! Ok, je pars aussi là! On n'a pas brillé, on s'est fait en. Voilà, hein. Oh non, alors lui il est appelé. Alors lui il est appelé en équipe olympique. Donc là tu vas me dire qu'on n'a plus de gardien là. Parce que alors là, si ça se passe comme ça, par contre, ça va pas être pareil. Alors, en octobre, est-ce qu'on a des matchs? Oui. Est-ce qu'il n'y a qu'un match? Ok, ça va. J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression que ça va aller. Ça me pique un petit peu le nez là, tu vois ce qui vient de se passer quand même? Faut rester serein, faut rester quand même lucide à tout moment et ne pas craquer sous la pression. On joue face à qui? On joue face à qui? On joue face à Orléans. Faut les saigner, hein. Faut les détruire. Tu vois, ça avait commencé avec les blessures déjà un petit peu. Là, on part. Lui, alors 4, il était prêt à jouer dans 4 jours. Maintenant, on te dit non, en fait, le gars n'est pas apte. Non, 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 non. Ah, Duc d'Alain. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La commission de discipline a examiné votre appel de la suspension de Malcolm, dit Mousquetaire Musqué. La commission a jugé que votre requête n'était pas fondée. Un match. D'accord. Donc, le tacle, il prend le ballon, il touche pas le joueur. Carton rouge. Ouais, si. Et si, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Eh ouais, bah, tu vas faire quoi? Tu vas voir ce que je vais te faire, toi. Ouais. Hein? Je sais pas comment tu t'appelles. Mais nous, on s'est quitté. Hein? Voilà, on s'est quitté. Zirkzee, ça y est, il est là. Il est de nouveau présent. Bon, après, il peut jouer que 75 minutes. Mais c'est pas mal. On va le mettre là. Parce que moi, gros pot, là. Bon, après, il a marqué déjà 3 buts, hein, quand même. Hein. 4 passes décisives. On est un peu dur. Allez, ça y est. Eux, ils se chauffent. 1-0. Je suis sûr qu'encore, il y a eu des buts refusés, etc. Bah oui. Mais oui, tu me diras maintenant. Et si? Ben moi, je te dis si. On a vu. Qu'est-ce qui se passe, le chat, encore, là? Gros souci, quand même. Hein. Je me demande comment ce chat a pu devenir fou, en fait. Je me demande si c'est moi qui suis fou à force de crier. Je sais pas. Bon alors, on se chauffe. Les gars, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va faire que deux matchs aujourd'hui, hein, je vous le dis. Bord du terrain. Avez-vous prévu quelque chose pour l'arrêter? J'en ai rien à faire. Gros pot dicte le jeu au milieu de terrain. Mais tu regardes même pas les matchs et tu viens, Bruno. Bruno. Retourne à l'école, ok? C'est pas. Voilà. Satisfait? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon allez les gars. On est revenu à domicile. Là, tout va bien se passer. On va jouer à 11 contre 11. Et ça va bien aller. Avec Gasbaro. Voilà. Voilà. Choi déjà qui revient. Ça fait plaisir. Gros pot penalty! Qui c'est qui va tirer le penalty? C'est Odysseus Velanas. On le laisse. Voilà l'arbitre.
Eh ouais, ça va mieux quand on t'offre une. Hein, Sylvain? Alors, Sylvain. Ah oui, j'ai pas noté le nom du dernier arbitre. Golasso! Non, mais j'ai pas noté le nom du dernier arbitre. Mais il va être noté et blacklisté, cet arbitre-là. Je vous garantis. On n'est pas du genre à faire des menaces, nous. Mais à tout moment. À tout moment, une glissade, hein, tu sais, dans le tunnel au match retour. Ah, ça arrive, une glissade. Hein. Si vite arrivé, quelque chose comme ça, un petit malheur là. Ouais, tape dans le dos, un petit peu trop forte. Ça peut aller vite. Avec Castro, dit Messi. Messi, Castro. Ah, t'aurais pu lâcher le ballon quand même. C'est vrai que ça fait un moment qu'il a pas marqué. Velanas, le corner, bien tiré. Les corners au premier poteau, ça marche bien. Ça, j'en suis très content. Capon, c'est plus dur de la mettre à côté que dedans, là, quand même. Hein. Oh. 30e minute, il faudrait faire le break. On est habitué à des 3-4-0. Nous, 2-1, perdre 2-1, ça ne va pas. Hein. Dubois, le collabo. Choi. Capon. José, le but. Deuxième but de la saison pour cet homme-là. Passe décisive de Choi. Le retour de Choi qui fait beaucoup de bien. Et là, Dubois, mais Velanas, Choi, tu vois, tu repars de loin. Mais appréciable l'appel. Appréciable l'appel de José. Très bon même l'appel. Hein. Très très bon. Par contre, les organismes sont un petit peu fatigués, hein, après cet enchaînement de match. Mais 2-0, ça fait du bien. Velanas. Capon ! Barre entrante ! Le deuxième but de lui ! Magnifique. Odysseus, deuxième. Pas du tout. J'allais dire deuxième passe D, mais pas du tout. Oh là 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 là, c'est si soudain. Par contre, lui, il est aux fraises. Hein. Mais là, la tête est magnifique. Hein. Il a smashé la barre. Oh, 3-0, 40e minute. C'est ça que je veux voir à tous les matchs, en fait. Eh ouais, mais ouais, si vous avez pas les... Comment vous faites, vous, si vous avez pas le carton rouge, en fait, à ce moment-là. Et encore, il y a gros pot sur le terrain, donc on joue pas vraiment à 11. C'est 10 et demi, là. Ah, il suffit de dire ça pour qu'il récupère un ballon. Il suffit de dire... Il faut, en fait... Tu vois, eh ben, j'ai couché avec ta mère hier. Ah, voilà, bon, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu. Alors, 45e. On va les féliciter quand même un petit peu avant de rentrer au vestiaire. Donc là, on aurait 3 points d'avance toujours sur le FCMS. Et 4 points sur Sochaux. Ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est pas mal. On va pas se mentir, c'est très bien même. Pour 9 matchs, c'est bien. Parce que là, on va arriver à 10 matchs. Je sais pas si on aura le temps de faire le dernier. Si, on dépasse maintenant. De toute façon, on avait dit en 20 minutes, maintenant on est à 30 minutes, on passe 37 minutes. Fin. Oh la cata. Oh le youtubeur qui gère trop mal son truc. Par contre, les cartons, faut faire gaffe, les gars. 68e. La barre pour notre ami. Est-ce qu'il sortirait pas gros pot et est-ce qu'on ferait pas entrer Zirgzi? Voilà, on va faire ça. Qui c'est qu'on a qui est mort là? Castro il est mort, on a qui? Est-ce qu'on n'aurait pas... En fait j'ai personne. Là en milieu offensif gauche j'ai personne, donc je peux pas le sortir. Par contre on peut sortir Choi. On peut faire entrer un Grinch à la place d'un Dagba un petit peu fatigué. Hein. Le Grinch! Il n'a pas encore joué cette saison. Je crois pas en tout cas. Vas-y Goldaniga aussi là! J'ai dit ils jouent tous contre moi, j'ai l'impression que des fois ils... Ça se retourne, il y a une nouvelle règle et... Oh non. Je fais 3 changements dans la minute qui suit. Il se casse la jambe. Oh là 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 là. Franchement, c'est... Quel est ce manque de chance sur 20 en fait? À quel moment je fais 3 changements à 71e, à la 72e, il y a une blessure comme ça. On va pas se prendre 3 buts en 10 minutes quand même. Vous savez quoi, je vais quand même prendre ça et je vais le préparer quand même à me le mettre à côté, tu vois. Je vais me préparer à l'idée quand même parce que si ça se passe comme ça, ouais, ça sera un délire, hein. On va pas se mentir. Ok, c'est bien. On a quand même un gardien de but. À partir de là, on a un gardien de but. Allez, peut-être un quatrième justement sur ce long ballon, Velanas. Robaille. Unga Robaille. Vas-y Castro, pourquoi tu fais pas une reprise de volée dans sa maman au gardien de but là? Vachou.
Ah ouais, ça. Ah ouais, mais avec un. En même temps, avec un seul défenseur, fallait s'y attendre à ça. Fallait s'y attendre. On va les féliciter, ça va les booster. Non, mais après, tu me diras, ouais, mais mets un attaquant, etc. Là, mais en fait, ça servira à rien. Là, si je mets gros pot ici, il est capable de tirer dans nos cages. Il va pas comprendre ce qui se passe. Il va se dire, comment je dois jouer là? Ah, mais il est plus sur le terrain, tu me diras, ça va. Zirkzee qui vient de revenir. Il a tué Vachou, mais par contre, il l'a tiré dedans. Hein. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais là, une blessure encore Dubois, c'est notre meilleur défenseur. Il va prendre combien? 6 mois, 7 mois, 8 mois, 4 ans de blessure. On sait pas. Hein. On sait pas. Dugdal. Oh, le dégagement peu académique. Hein. Vers le Castro. 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 Mais vas-y aussi Ça, c'est interdit, monsieur l'arbitre. Bon, un pénalty, un carton rouge. Cet arbitre est à noter. Vous vous appelez comment, monsieur? Sylvain Payès. Parfait. Très très aimable, monsieur. Très très aimable. Il y a une Ferrari qui vous attend à la sortie. Pas de soucis, il y a les clés dessus déjà. Je reprends ta Twingo et tu pars avec la mienne. Hop là, je te donne même ma femme, tout ce que tu veux. Allez, merci. 3-0, ça fait du bien. Ça fait du bien. 26e minute. J'ai peur. 3 à 6 semaines, quoi. Pff. 3, les gars, 3 à 6 semaines, quoi. Ils veulent que je joue comment? Avec quel joueur quand j'aurai tout le monde qui est blessé? Et là, en plus, j'ai même pas Dugdal au prochain. C'est-à-dire que là, à un moment donné, alors Velana, c'est du joueur du mois, merci, c'est magnifique, hein, bravo. Mais là, en fait, je fais comment à ce moment-là? Donc là, je suis censé mettre qui? Je suis censé remettre notre ami Sanko. Mais là, quand même, ça fait quand même beaucoup. Ça fait Henrel Gomez qui est blessé, Mathieu Dubois qui est blessé, Oumout Meras qui est blessé. Donc ouais, ça... Je tique un petit peu quand même. Je tique un chouille, comme on dirait par chez nous. Un chouille. Un chouille. Bon, je vais sauvegarder quand même. Voilà, je vais sauvegarder. Non, c'était une bonne session. Je pense que là, j'ai bien kiffé mon FM. Là, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que t'en as pensé toi aussi. Je me suis senti en forme, incisif. Après, il y a eu quelques ratés. Hein. On va se noter le carton rouge quand même de cet homme-là. Mousquetaire. Bim, bam, boum. Il t'a... ouais, il a tout cassé, quoi. 6,83 quand même, hein, le Malcolm, c'est pas fou, hein. Sur les 5 derniers matchs, 6,76, un peu en dessous, un petit peu en dessous. Alors là, on perd un 7,82 et un 7,94, donc lui, on l'avait déjà perdu, hein. De toute façon, le gars est mort. Et là, Mathieu Dubois, c'est long quand même, hein. C'est long, je sais pas, j'ai des kinés là, on va se poser des questions. 2 à 4 semaines, ils ont annoncé là, c'est bon ça? Ah, mais si c'est que 2 à 4 semaines, ça va, foulure de la cheville, moi, on m'avait pas annoncé ça du tout, hein. On m'a annoncé blessé au pied pendant un tacle. Je n'ai pas les bonnes infos. Par contre, Oumout Meras, lui, est bien blessé. Hein. Voilà. Mais écoutez, on va se laisser là-dessus. C'était un plaisir, hein, comme d'habitude, de jouer FM pour vous. Jamiro Montero. Ah bah là, on en a perdu, en fait, le troisième joueur du mois. Non, mais lui, déjà, de base, il triche. Parce que il a un arbitre qui lui triche avec lui. Donc, putain, cette défaite, elle fait mal. Hein. Comment il s'appelle? Voir le match. Moi, je veux voir. C'était qui, l'arbitre? On peut pas voir. Pas comme par hasard, on peut pas voir. Coup d'envoi à Longéville, les Metz. En plus, ils jouent même pas chez eux. On peut pas voir l'arbitre, zone d'attaque, etc. Statistiques. Non, mais c'est pas grave. Je note tout simplement qu'on s'est fait arnaquer. Voilà. Bien écoutez, chers amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve demain, comme d'habitude. Putain, je vois grec, ça me donne envie d'un grec. Clairement, j'ai envie d'un grec. Voilà. Nous, on dit pas grec, on dit kebab hein, chez nous. Après, je sais pas comment tu dis par chez toi. On dit aussi, hein, on dit aussi un pain au chocolat. Tu vois, on dit pas une chocolatine. Parce qu'à aucun moment, t'appelles un pain au raisin une raisintine et un croissant une croissantine. Donc, à partir de là, c'est un kebab. Voilà, je te dis à tous, je te dis particulièrement à toi une bonne journée. Et puis, on se retrouve demain 18h pour la suite. On aura quoi au programme? On aura un match déjà sans gardien en fait, parce que là, Paris FC, je sais pas qui c'est qu'on va mettre comme gardien. Et ensuite, on va souffrir. Grenoble 5e, Cholet 20e, Sochaux 4e. Bah écoutez, c'est un bon programme et après il y aura la Coupe de France qui va approcher. C'est bon tout ça, à tout de suite. À demain en fait pour la suite. Ciao ciao!